Dans cette vidéo, je vais te donner les 5 grosses erreurs que les débutants font. Et à la fin de cette vidéo, ta vision de la photographie va drastiquement changer. Et surtout, reste jusqu'à la fin car la 5e erreur risque de choquer beaucoup de personnes. Hello guys, j'espère que vous allez bien, moi je vais super bien. J'avais déjà fait une vidéo de ce genre et je suis allé la revoir afin de vous apporter quelque chose de nouveau. En effet, quand j'ai revu la vidéo, j'ai remarqué que je donnais des erreurs assez générales mais pas profondes. Vous savez, hein, il y a plusieurs tutoriels sur ce genre de sujet et je voulais vous proposer quelque chose qui va vous aider à long terme. Donc voilà. Aussi, j'ai un peu marre de rester dans mon studio, donc on va sortir ensemble. So, let's go! Donc voilà, je suis à Kent, c'est un parc qui est à Montréal, d'accord, je vais vous faire visiter les alentours en même temps et nous allons parler des 5 erreurs qu'on fait souvent lorsqu'on débute. Donc, erreur numéro 1, c'est le manque de style photographique. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que lorsque vous allez commencer justement, vous allez vouloir faire tout. Vous allez vouloir faire du paysage, vous allez vouloir faire du portrait, de la macro. Donc vous allez essayer beaucoup de choses, c'est tout à fait normal, mais à un moment très tôt, il faut justement choisir votre style. Parce que déjà, quand vous prenez du portrait, il y a beaucoup de choses dans le portrait. Déjà, il y a la photographie de mariage, ok? Il y a du portrait beauté, d'accord? Il y a du boudoir, du nu. Donc, il y a déjà beaucoup de choses dans le portrait. Donc, ne vous égarez pas. Essayez de trouver qu'est-ce que vous aimez et concentrez-vous sur ça parce que la photographie est très vaste. Donc, la première des choses, c'est de trouver votre style. On ne refuse pas que vous... au début, vous essayez un peu tout, c'est tout à fait normal. Mais lorsque vous avez trouvé la chose qui vous plaît le plus, justement, concentrez-vous uniquement sur ça et vous allez voir, vous allez progresser. L'erreur numéro 2, c'est penser justement que l'appareil photo va régler vos problèmes. C'est-à-dire quoi? À chaque fois que vous avez des problèmes, okay, vous allez vous dire que non, c'est l'appareil que vous avez acheté. Ok, non, mon ami, lui, il a la 5D Mark 4, c'est pour ça que moi, je fais de mauvaises photos. Non, l'appareil photo ne fait jamais de mauvaises photos. C'est vous qui faites des mauvaises photos. Moi, quand je regarde mon portfolio, je vois qu'il y a certaines photos que j'aime encore jusqu'aujourd'hui. Mais pourtant, je l'ai fait avec un appareil qui n'est pas du tout récent. Pourquoi? Lorsque justement vous allez prendre un appareil photo qui n'est pas récent, vous n'allez pas vous concentrer sur la qualité parce que vous savez que la qualité n'est pas là. Donc ce que vous allez faire, vous allez vous concentrer plutôt sur la composition, sur la façon dont vous allez faire passer justement un message. Donc moi franchement, je vous conseille au début de justement commencer avec un appareil de bas de gamme. Là, vous allez plus vous concentrer sur justement le message que vous voulez faire passer par la photo, la composition. Moi, j'ai eu la chance justement de commencer avec un appareil de bas de gamme, ce qui a fait que justement au début, j'avais pas le choix de vraiment me concentrer sur autre chose que la qualité. Et c'est ça le plus important. C'est pas la qualité de votre image, c'est la composition, c'est l'émotion que vous voulez faire ressortir dans la photo. Et voilà, donc n'oubliez pas, soyez créatif parce que c'est pas l'appareil photo qui fait de mauvaises photos, mais c'est vous. Troisième erreur, pensez que c'est la retouche qui va régler le problème. Donc, beaucoup de gens se concentrent sur la retouche photo. La retouche photo, faut le prendre comme un plus. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que la retouche vient juste apporter une certaine finalité à votre photo. Mais de base, vous devez justement vous concentrer sur des étapes précédentes. Et c'est quoi ces étapes précédentes? Moi, par exemple, quand je fais du portrait beauté, ok, déjà, je commence par le choix du modèle. Parce qu'en fonction du projet, le choix du modèle est très important. Après, la deuxième chose, je trouve une bonne make-up artiste. Parce que c'est la make-up artiste qui va justement donner un certain look par rapport au projet, donner une certaine plutôt texture à la photo. Donc, c'est très important de trouver une très bonne make-up artiste. Ensuite, après la make-up artiste, il faut faire le choix de la lumière. En fonction de la lumière, c'est-à-dire si vous voulez une lumière dure ou une lumière douce, vous allez utiliser peut-être un bol beauté ou un parapluie. Tout va dépendre de justement l'effet que vous voulez avoir sur la peau du modèle. Parce qu'en fonction de la lumière que vous allez utiliser, okay, ça aura un certain effet sur la peau du modèle. Et c'est après tout ça maintenant que vous avez la retouche. La retouche va venir juste faire comme embellir juste. Parce qu'à la fin, il y a certains défauts justement qu'on ne peut pas enlever. Donc, c'est là la post-production vient justement
apporter justement cette finalité-là. Donc très important, la retouche ne fait pas tout. Erreur numéro 4, et ça c'est l'une des erreurs les plus importantes, c'est ne pas se former. Vous avez besoin de vous former en toute chose, vous avez besoin d'apprendre. Il y a Socrate qui dit une phrase que j'aime bien, il dit ce que nous connaissons, c'est une goutte d'eau, et ce que nous ignorons, c'est l'océan. Cela veut dire quoi? Cela veut dire qu'il y a tellement de choses à apprendre qu'on ne peut pas dormir sur nos lauriers et se dire que ouais, on a déjà une certaine base, une certaine connaissance. Non, à chaque fois, à chaque moment, ok, vous avez toujours quelque chose à apprendre. Il y a aussi une seconde citation que j'aime bien de Einstein qui dit que je ne suis pas talentueux, je suis juste passionné par la curiosité. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que ce qui le rend justement différent, intelligent des autres, c'est pas parce que peut-être il a un certain QI qui est supérieur aux autres, c'est justement parce qu'il est passionné par la curiosité, c'est parce qu'il veut apprendre, il veut connaître plus. Et plus vous allez vouloir apprendre, plus vous allez emmagasiner de nouvelles connaissances. Et forcément, vous serez en avance par rapport aux autres. Donc formez-vous, c'est très important. La photographie, c'est pas cliquer sur un bouton, non. Vous allez voir, justement, sinon tout le monde serait au même niveau. Vous avez compris que la photographie, ça demande quand même une certaine maîtrise, de certaines règles et beaucoup d'expérience. Donc, il est très, très important de vous former. Moi, je suis l'un des exemples. Vous aviez vu d'où j'ai commencé, pour ceux qui me suivaient depuis le début. D'accord? Donc, j'ai beaucoup appris et je continue toujours d'apprendre. Donc, n'arrêtez pas d'apprendre. Donc je disais, donc n'arrêtez pas d'apprendre, c'est très important. C'est ça qui va vous permettre d'évoluer encore et encore et d'année en année. Donc, cinquième et dernière erreur, et c'est là vraiment ça a fait beaucoup polémique parce que beaucoup de gens ne sont pas d'accord avec moi par rapport à ça. Donc vous allez me dire en commentaire si vous êtes de mon avis, d'accord? Ou si vous n'êtes pas de mon avis et dites-moi pourquoi, d'accord? Arrêtez de signer vos photos. Pourquoi vous signez vos photos? Je vais vous poser une question très simple avant de commencer, d'accord? Prenez l'exemple d'un photographe de renommée mondiale que vous connaissez. Quand je dis renommée mondiale, je ne parle pas du meilleur photographe de votre quartier ou je ne sais pas. Vraiment un photographe qui est connu du monde entier, d'accord? Et dites-moi si dans l'une de ses photos, vous avez vu sa signature. Je ne pense pas, ok? La signature, qu'est-ce que ça fait la signature? Un, ça gâche votre photo. Je vais faire une vidéo entièrement consacrée à ça, mais je vais vous faire un résumé très rapide. Ok, donc la signature plutôt, ça gâche votre photo d'un, et de deux, ça vous empêche vraiment de progresser. Parce que quand vous mettez la signature, vous dans votre but, d'accord, c'est dans le besoin de vous faire connaître. Donc en mettant votre signature, votre nom, vous allez vous dire, oui, si quelqu'un voit mon nom, il va juste me reconnaître. Ok? Et là, vous concentrez tellement sur la signature que justement, vous oubliez de vous concentrer sur votre art, votre maîtrise de la photographie. Ok? Imaginez 2 secondes qu'on vous dise, vous ne pouvez plus mettre la signature. Qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez plus travailler sur votre style. Vous allez plus travailler sur votre composition pour justement qu'une personne, lorsqu'elle va voir votre photo, va chercher à vous voir. D'accord? Si vous faites de belles photos, les gens vont voir, vous avez un portfolio, vous avez votre nom, d'accord? Donc moi, aucun client ne m'a jamais contacté, d'accord, pour me dire je vous ai rencontré, je vous ai vu, de par votre signature, non. Et je ne dis pas que c'est quelque chose de très mauvais parce que moi aussi j'ai commencé à mettre ma signature, mais je me suis rendu compte au fil du temps que ça ne servait à rien. Donc arrêtez de mettre votre signature, ça va vous obliger justement à avoir une certaine identité, avoir un certain style. Vous allez remarquer que je suis sûr que vous allez remarquer que il y a certaines photos, quand vous les voyez, vous savez en même temps quel photographe l'a fait. Pourtant, vous n'avez pas vu la signature. Pourquoi? Justement parce que ce photographe... Je respire parce que je suis en train de marcher en même temps. Je pense que je vais aller m'asseoir d'un côté là pour qu'on continue à parler. Donc voilà, là, je suis un peu assis, je vais souffler un peu. Donc je disais que justement, vous avez sûrement un photographe. Lorsque vous voyez sa photo, vous avez arrivé à le reconnaître sans pour autant qu'il mette sa signature. Donc c'est justement cet objectif-là que vous devez vous viser, ok? Et ça devrait vraiment bien aller. Donc voilà, je ferai justement la semaine prochaine ou peut-être dans 2 semaines, je ne sais pas encore, une vidéo spécialement consacrée à ça. Bon, voilà, je vous laisse visiter encore un peu et allez, on se dit à plus. Tchuss!